C'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. Mon ami d'un côté. Oui, mon ami Clo-Clo Fouignon. Comment ça va? Le retraité international. C'est lui-même, mon cher ami. L'homme qui a promis 500 en banque. Ah oui. Non, je suis en train de voir. Ouais. Je suis sur un site là. Wow. Voilà, c'est pour envoyer le wifi là. Ah. Ah. Manolé, ah. Bonjour. Depuis, t'es regardé, parce que tu m'avais pas vu. Ah non, t'es... Ah oui. Mon ami. Ouais, bah. Attends. Ça a marché? Quelle chose? T'es 3500, finalement, tu as vu ça? Non, je suis parti là-bas, on dit demain ou bien après, demain, on va me donner. C'est sûr. Maintenant, toi, tu fais quoi ici? Tu fais quoi au VIP? Mais tu as dit qu'un jour tu vas m'installer ici, non? Je suis là. Quand je dis un jour je vais t'installer, ça veut dire qu'un jour quand tu vas avoir tes 3500, il se pourrait que tu t'asseilles ici. Hein? Aïe. Pardon. Tu es mon ami, faut non? Faut pas tu vas m'énerver ce matin là. Faut pas tu vas m'énerver, pardon. Pardon. Non, tiens. Voilà. Tu connais ta place là-bas. Toi-même, je sais pas comment tu es. Tu es mon ami ou tu n'es pas mon ami? Mais les amitiés là, ça se dit la vérité aussi. T'as vu, tu as 100 vrais, tu vas t'asseoir ici. Là-bas. J'ai dit, moi le jour mon filement va tomber là. J'ai dit, viens m'asseoir ici pendant une semaine. Regarde, il t'informe, au VIP là, il est en train de chercher le site où il peut avoir le wifi moins cher. Et désormais, ceux qui vont venir s'asseoir ici là, quand ils mangent le garba choco, ils peuvent naviguer. C'est de ça il s'agit. Oh ouais. Baba. Garba 100 francs, boisson 100 francs, comme d'habitude. Tu vas venir t'asseoir ici, patata. Moi, le jour, je vais prendre mon argent, vous allez voir. Je vais vous faire plaisir ici. Je vais faire plaisir même. Donc, Loco, tu veux m'affaire d'être. Tu sais que tu allais t'asseoir là-bas, on va te chasser. Viens même quand t'asseoir ici. Mais tous les jours, je m'assois ici. Je m'assois ici, la maman aussi un jour. On dit VIP. Et ici, la oignon, ça pique dans mes yeux comme ça. Ah, aujourd'hui, mon oignon pique dans tes yeux. Bon, donne-moi mon argent, tu me dois. Tu me dois 4 000, ça donne mon argent. Non, ça pique pas dans mes yeux. Ça nettoie mes yeux. Ça nettoie mes yeux. Moi, mon poste radio n'a pas donné de nouvelles aujourd'hui. Bonjour. 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 Oui. Soyez les bienvenus. Oui. Pardon, je veux un peu d'attiqué pour ma fille là. Combien? Oui, comme elle se sent pas bien là. On va aller à en bas là-bas là pour acheter médicaments. Donc tout juste un peu d'attiqué. Elle a quoi? Elle a pas lu. Il y a une dame grande claire au petit marché là. Elle vend un médicament, elle appelle ça palu KO. Elle a bu ça. Pendant 5 ans, elle n'a plus le palu. Parce que le même médicament là, il y a guérison, il y a prévention. Et puis il y a vaccination dedans. Comment on appelle ça? Palu KO. Palu KO. Le médicament là peut coûter combien? Ah, c'est un fameux 75 francs. Ah, mais c'est bon. Seulement. L'Andoulaye. Attends. Mandela. Oui. La femme qui va au marché là, elle est infirmière. Non, elle est aide-soignante. Aide-soignante? Eh. Dans quel hôpital? Au marché là. Elle aide à soigner les gens, dont on l'appelle aide-soignante. Oui, c'est bon. C'est dangereux. Ah. Oui. Les médicaments qu'elle vend là, c'est exposé au soleil, ça est dans le vent, la poussière. Mais c'est pas bon. Regarde, monsieur, je ne vous connais pas. Hein. Prenez votre fille, allez-y à l'hôpital. Allez voir un médecin. Il va examiner votre fille. Il va vous faire une ordonnance. Vous pouvez aller à la pharmacie, vous payez les médicaments, c'est fini. Pardon, hein. Madame, la femme dont tu parles là, les policiers l'ont déjà attrapée. Jamais de la vie. Ah! On dirait que tu fais exprès. Quand tu vois le monsieur, tu n'as pas pitié de lui. Il va aller à la consultation, c'est pas payant. C'est payant. Lui, à son âge, il sait déjà son affaire à palu. Il n'a qu'à aller acheter un médicament de palu. Et puis c'est bon. Les filles, elles ne sont pas parties à l'école. Elles ne connaissent rien à faire des médicaments. Vous ne pouvez pas acheter des médicaments avec elles. Mais tu veux te battre avec Oignon? Mais madame, faut bien m'indiquer là-bas, je vais aller. Parce qu'elle a la chose, palu triangle. Quand tu rentres dans le marché, elle est grande comme ça. Quand tu arrives là, tu n'as pas ses pieds, derrière son visage, tu sauras qu'elle est claire, c'est elle. Ah. Merci. Allô. Bonne guérison, hein. Il a dit d'envoyer sa fille à l'abattoir comme ça, hein. Tu parles des médicaments par terre, médicaments en poussière. Hein? Les médicaments dont tu parles, ça rentre comment dans le pays?